On va jouer un petit jeu. Essayez de me citer 5 metteurs en scène qui, après plus de 50 ans de carrière, ont été totalement capables de se réinventer. Pour moi, le réalisateur dont on va parler aujourd'hui est le saint patron de cette veine de metteurs en scène, le dieu réincarné, un génie de la réinvention dramatique et cinématographique. Martin Scorsese est un réalisateur d'origine américaine qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 60 ans. Sacré bonhomme quand même. Il est un auteur de la nouvelle vague américaine influencée par le cinéma français des années 50 et 60, et en cherchait à apporter de nouveautés fortes à la production américaine, en dominant par son style tranché et sa composition complémentaire entre réalisation et montage. Il est un génie qui a su au fil des décennies et des époques réinventer et adapter son style en fonction de ce que le public et le temps attendaient de lui, pour encore aujourd'hui parvenir à raconter des histoires fraîches, domptées par un esthétisme créateur. C'est difficile d'être capable de se réinventer, et si des auteurs comme Clint Eastwood s'imposent par des visuels reconnaissables parmi tant, Scorsese fait partie de ces auteurs que l'on reconnaît, mais qui se modernisent. Compositeur graphique cherchant à faire de son cadre une mélodie constante, il a su construire une filmographie dense, mais finalement très logique. Il est attaché de près à la déconstruction graphique et narrative d'une œuvre de cinéma, si chère au cinéma français des années 60, une conception qui l'emmènera au fil de son œuvre et de ses récits à aller à l'encontre de ce que le cinéma moderne cherchera à créer, de par une aventure, un personnage ou une thématique. En cela, le réalisateur américain a su rester en dehors du système, tout en parvenant dans un sens à s'y faire une place de choix, celle d'un concepteur parvenant à s'échapper du noyau pour mieux imposer sa vision du monde comme un essentiel indémodable, capable d'influencer les auteurs actuels tout en parvenant à s'attacher au système de production. Si l'on regarde bien les films de Scorsese, les thématiques et les rapports qu'il entretient avec ses récits sont souvent en dehors du temps, comme représentatifs non pas d'une époque, mais d'un monde, se rattachant plus à une symbolique d'évolution humaniste que d'évolution mondialiste, même si son monde cinématographique s'attache souvent au nôtre. Il est évident qu'alors, le cinéma de Scorsese devient l'emblème d'une époque où la conception graphique et dramatique d'une œuvre ne se conçoit plus simplement par l'inventivité d'un récit, mais également autour de l'inventivité d'un auteur captivé par des personnages antipathiques, devenant par la position d'un récit fascinant et étourdissant d'émotions. Car ce qui fascine dans le cinéma de Scorsese, c'est cette envie de ne jamais raccrocher ses récits à une forme de simplicité dramatique, mais de toujours amener le spectateur vers des chemins d'immersion dangereux où celui-ci se retrouve à devoir se poser des questions qui l'amèneront à reconcevoir son regard sur le monde et finalement sur la place du bien et du mal. À la fois donc reconcepteur de notre monde, mais également simplement auteur contemplatif de ce que l'émotion a de plus universel de chaque côté de la justice. C'est cela qui fait du cinéma de Scorsese un ensemble fascinant et prenant autour de l'idée même d'immersion cinématographique et simplement humaniste. S'il est confondant de vérité que Scorsese n'aime pas s'attacher à la simplicité d'un récit, il est d'autant plus fou de constater que ce n'est pas le temps ni l'envie qui aura raison de cela, et qu'au contraire, c'est bien justement avec le temps que Scorsese a de plus en plus envie de crier cette envie de ne pas rester dans les clichés du cinéma classique. C'est émouvant et terriblement touchant de voir que le temps n'a pas d'emprise sur un cinéaste, et ne parvient pas à entamer sa passion. Il est encore plus génial pour un cinéphile de voir un modèle parvenir à l'âge de 74 ans à un tel degré de réinvention qu'il en devient sincère et criant de puissance, ne révélant plus simplement une passion pour le cinéma, mais littéralement un amour profond pour le spectateur qui le regarde. Plonger dans le cinéma de Martin Scorsese, c'est redécouvrir à chaque film un auteur criant sa passion pour le cinéma et pour les personnages qui l'animent. Rarement un cinéaste aura autant fasciné et développé une telle passion pour le 7e art, réussissant à faire naître chaque jour de nouveaux cinéphiles et une passion profonde pour de nombreux cinéastes.